Bonjour, je suis Louison Casali, je suis athlète de la Team Bordeaux JO 2024 et je suis en équipe de France de pentathlon moderne. Alors le pentathlon moderne, qu'est-ce que c'est? C'est 5 disciplines en un sport. Vous avez la natation, l'escrime, le saut d'obstacle à cheval, la course à pied et le tir au pistolet. Et je vais vous lire la dictée du Tour de France. Je vous lis une première fois en entier tout le texte. L'organisateur du Tour de France dévoile le lieu d'arrivée à Bordeaux lors de la 7e étape. Jeudi 27 octobre, le directeur du Tour de France a dévoilé le parcours de l'édition 2023. L'arrivée de la 7e étape, au départ de Mont-de-Marsan, se fera sur les quais de Bordeaux après une ligne droite de 2 km. La dernière fois qu'une arrivée de la Grande Boucle s'est déroulée dans la capitale girondine, c'était en 2010 et le sprinteur britannique Mark Cavendish s'était imposé au terme de la 18e étape longue de 198 km. Déjà à l'époque, l'arrivée avait été placée sur les quais de Bordeaux. Cela fait 13 ans que le plus grand événement cycliste du monde n'avait pas remis les roues en Gironde. Je vais vous donner trois mots concernant la dictée. Cyclisme, descente, sommet. Cyclisme, descente, sommet. Je vous épelle le mot cyclisme. C, Y, C, L, I, S, M, E. Cyclisme. Je vous épelle le mot descente. D, E, S, C, E, N, T, E. Descente. Je vous épelle le mot sommet. S, O, M, M, E, T. Sommet. Je relis le texte. Tous les nombres de la dictée s'écrivent en chiffres et le titre est long. L'organisateur du Tour de France dévoile le lieu d'arrivée à Bordeaux lors de la 7e étape. L'organisateur du Tour de France. L'organisateur du Tour de France dévoile le lieu d'arrivée à Bordeaux. Dévoile le lieu d'arrivée à Bordeaux lors de la 7e étape. Lors de la 7e étape. Fin du titre à la ligne. Jeudi 27 octobre, virgule. Jeudi 27 octobre, virgule. Le directeur du Tour de France. Le directeur du Tour de France a dévoilé le parcours de l'édition 2023. A dévoilé le parcours de l'édition 2023. Point. L'arrivée de la 7e étape, virgule. L'arrivée de la 7e étape, virgule. Au départ de Mont-de-Marsan, virgule. Au départ de Mont-de-Marsan, virgule. Se fera sur les quais de Bordeaux. Se fera sur les quais de Bordeaux, virgule. Après une ligne droite de 2 km. Après une ligne droite de 2 km. Point à la ligne. Je relis en entier le paragraphe avec les virgules et les points. Jeudi 27 octobre, virgule, le directeur du Tour de France a dévoilé le parcours de l'édition 2023. Point. L'arrivée de la 7e étape, virgule, au départ de Mont-de-Marsan, virgule, se fera sur les quais de Bordeaux, virgule, après une ligne droite de 2 km. Point à la ligne. La dernière fois qu'une arrivée de la Grande Boucle
qu'une arrivée de la grande boucle s'est déroulée dans la capitale girondine, virgule, s'est déroulée dans la capitale girondine, virgule, c'était en 2010, c'était en 2010, et le sprinteur britannique Mark Cavendish et le sprinteur britannique Mark Cavendish s'était imposé au terme de la 18e étape longue de 198 km. Point. S'était imposé au terme de la 18e étape longue de 198 km. Point. Déjà à l'époque, virgule, déjà à l'époque, virgule, l'arrivée avait été placée sur les quais de Bordeaux. L'arrivée avait été placée sur les quais de Bordeaux. Point à la ligne. Cela fait 13 ans. Cela fait 13 ans que le plus grand événement cycliste du monde, que le plus grand événement cycliste du monde n'avait pas remis les roues en Gironde. N'avait pas remis les roues en Gironde. Point final. Je vais relire le texte en entier. Jeudi 27 octobre, virgule, le directeur du Tour de France a dévoilé le parcours de l'édition 2023. Point. L'arrivée de la 7e étape, virgule, au départ de Mont-de-Marsan, virgule, se fera sur les quais de Bordeaux, virgule, après une ligne droite de 2 km. Point à la ligne. La dernière fois qu'une arrivée de la Grande Boucle s'est déroulée dans la capitale girondine, virgule, c'était en 2010 et le sprinteur britannique Mark Cavendish s'était imposé au terme de la 18e étape longue de 198 km. Point. Déjà à l'époque, virgule, l'arrivée avait été placée sur les quais de Bordeaux. Point à la ligne. Cela fait 13 ans que le plus grand événement cycliste du monde n'avait pas remis les roues en Gironde. Point final. Question subsidiaire. Quel est le seul coureur français à avoir remporté une étape lors du Tour de France 2022 ?